désormais. Et salut à tous et à toutes, je suis Seros. Bienvenue dans la suite de Watch Dogs. Eh oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu et j'ai décidé de le terminer avant. Avant 2015, ce serait déjà pas mal, surtout que le jeu est sorti en mai. Donc en fait, j'ai décidé de changer un petit peu le format. J'ai enlevé la facecam parce que ça prend énormément de temps en fait à mettre en place. Les épisodes sont super longs. Et de toute façon, vous n'avez besoin que de ma superbe voix pour ce genre d'épisode, n'est-ce pas? Dans le dernier épisode, je ne sais plus ce qui s'est passé. Il s'est passé énormément de choses. Attends, pourquoi le mec qui me repère? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Ah, il y a tout le monde! Wouhou! Ok, d'accord, ce fut un fail monumental. J'ai pas vraiment compris ce qui se passait là, dis donc. Ah, d'accord. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Donc en fait, ils sont en train de remettre la mallette. Et je dois donc suivre ce mec. Suivez la mallette sans me faire opérer. Ah, il part dans l'autre sens. Est-ce que je peux? Ouais, je peux. Oh putain, ça rame. Je peux le filer de son sens. Dans ce sens, ce sera peut-être plus simple. Je perds pas de vue, elle est juste devant moi. Alors tu vois la mallette? Oui, ah oui, juste devant. Attends, j'y crois pas. Quoi? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. C'est-à-dire? Un échange de mallettes. Non mais sans deck. Ça marche vraiment ces trucs-là? Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont malins. Ils espèrent tromper le CTOS? N'importe qui pourrait voir l'échange sur un moniteur de surveillance. Ah bon? Ils veulent perturber le logiciel de détection. Intéressant. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'il y a... Il y a de quoi. Le mec, il est juste là, de toute façon. Je le surveille de très très près. Je peux pas la perdre de vue, elle est juste devant moi. Attendez. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ils ont réussi à me tourmenter. Ok, d'accord, je vois. Ils échangent de mallette plusieurs fois. C'est malin. C'est malin de leur part. Mais c'est pas grave, parce que je sais qui a la mallette. En tout cas, Aiden le sait, parce que moi, j'ai pas vu. Moi, je serai en train de suivre l'autre, en tout cas. C'est pas plus mal, hein. Ils vont prendre le bateau, ils vont s'enfuir. Bordel. Il faudra que je rattrape le bateau. Suivez la mallette, on va filer le bateau de la mallette. La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Elle est où ta moto, mec? Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Oh, fuck. Non. Non. Ah! Là, la vieille marina. Achetée par Lucky Queen en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. D'accord. Là, je vais par contre, je vais la perdre de vue. Clairement. T'as un problème? Oh, MG. Prends ça vite! Putain, non, on va pas rater cette mission comme ça! Poussez-vous! Poussez-vous, j'ai une mission à faire! Je dois rattraper une voiture! Un bateau! En voiture! Avec une Mitsubishi Lancer! 10 secondes! Je peux y arriver! Tout est fait pour que je puisse y arriver! Wouh! J'ai réussi! Pousse-toi! Non mais oh! Quel pays croit que je suis, moi, hein? Wouhou! Oh merde! What the fuck? C'était pas censé se passer comme ça. La moto était donc ici. Je suis pas sûr de savoir ce qui se passe là actuellement. Je sais pas quoi en penser. La mallette est sur un bateau qui remonte. Voilà. Dégage. Je vais utiliser ma moto. Oui. Sûrement what? À un autre. What the fuck? Non. OMG! Non! Non. Ah! Poussez-vous! Là, c'est pas possible! Par c'est pas un moto ça! Poussez! Bordel de merde! J'ai une mission à faire, bordel! Vous voyez pas que vous m'ennuyez? Oh! Lève-toi, Aiden! Je sais que ça fait mal, qu'il n'y a pas mis de casque! Mais c'est pas grave, on s'en fout! On s'en fout, t'as un bateau à rattraper, mec! Poussez-vous! Mais c'est pas possible, tous ces piétons qui se mettent n'importe où là! Rien à foutre! On y va à fond! Poussez-vous! Oh, un civil a été blessé. Eh ben, c'est pas mon problème! Wouhou! Ok, ils sont juste là. Mais gars, mais c'est pas possible! En fait, le jeu est devenu. Tape dans le civil avant que t'arrives à la fin. Et après, on te dit combien de civils tu as tapé et voilà, c'est fini comme ça.
Oh mon dieu, d'accord. Je vois. Je peux les rattraper par là. Ici. Je fonce par là. Je contourne ici. Et j'arrive ici. Je peux. Et je peux faire tourner la plateforme. Pas compris. Ah, en fait, ces plateformes-ci, ça sert à que les bateaux passent. Ça sert à quelque chose. Il y a juste... Tu n'as rien vu, monsieur. Tu n'as rien vu. Je ne vous... Non. Plouf. Voilà. Ah, le mec n'a rien vu. Je suis tranquille. On va donc juste s'infiltrer derrière ce gentleman qui n'a rien vu. Je lui avais dit qu'il avait rien vu et pourtant il m'écoute pas. Oups. J'ai essayé. Oh. Je vais pas me faire opérer, c'est ça? En fait, non, c'est pas dit en fait. Voilà. Je les ai éliminés. Tout va bien. Nous sommes dans une mission. Oh mon dieu, je dois le filer! Ah! Fuck! Voilà, tout va bien. Personne n'a rien vu. Nous sommes sécurisés. Pour l'instant. Il ne sait pas que je suis ici. Et il ne sait certainement pas que j'ai tué tous ses potes. Il ne se doute de rien, le mal est grand. Je suis caché derrière ce petit cache. Cette petite cache qui pourra définitivement cacher ma présence. Mais où sont passés mes soldats? Je ne comprends pas. Putain! Mais d'où il sort lui? On va prendre un passage secondaire. Un passage par lequel les ennemis ne s'attendent pas à ce que j'arrive. Non mais genre! Au moment où il ouvre la porte! Attention! On appelle ça de l'infiltration en mode rapide. Hop! Tout va bien. Qu'il confirme. Hop. Il a rien vu. Il a peut-être entendu cependant. On va utiliser cette caméra. Il s'est douté de rien du tout. On va l'empêcher d'appeler les renforts. Et on va voir où est notre cible. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça tout simplement. Tu es toi, Berger Steven. Tu organises le premier anniversaire de ton fils de cette façon? N'as-tu donc point honte? As-tu donc point honte de donner de mauvais exemples à cet enfant? Cet enfant qui croyait que toi, que tu étais son père, qu'on pouvait tout faire avec toi. Fuck. Le monde va mal, les amis. Le monde va très très mal. Qu'est-ce que tu fais? Il va ouvrir la mallette que je ne vois pas. Il va ouvrir... Ah, voilà. Récupérer la mallette. Ok, ça va. Je pourrais tout simplement le tuer aussi. Ce serait peut-être tellement plus simple. Où est-ce qu'il va? Il va nulle part, n'est-ce pas? Oh oh. Je crois qu'il y a un mec là-bas. Je crois qu'il a vu que ses potes étaient morts. Bouya! Tu n'as rien vu du tout. Oh oh. Je sais pas sur quoi j'ai tapé, mais ça fait du bruit. Go. Boum. Voilà. Oh, putain, je rate toutes mes cibles, quoi. Je suis vraiment extrêmement doué avec ça. Alors, prends la mallette. Est-ce qu'il y a dedans? Un ordinateur? Ok, en plus, il faut prendre tout son temps pour pirater le truc. Prends en photo. Échappez-vous de la marina. C'est ce que je vais faire. T'as juste pris en photo une mallette, mec, avec un ordinateur dedans. Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est pas vraiment un truc de piratage. Voyez la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Bon, il te faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Je propose Jean-Claude Baudard. Voilà. Tu peux te faire passer pour un... Monsieur Bing. Non, ça marchera pas, non. Y a pas un Européen? Nicolas Crespin. 32 ans, Américain expatrié. N'est pas revenu depuis 12 ans. Eh ben voilà. Oh la vache. Il y a une liste de ses préférences.
C'est un malade, ce mec. Qu'est-ce qu'il aime bien ? Et blindé de pognon. Eh ben, il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire ? Clara, si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Oh. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Je déconne pas. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Ah ouais, mais là... Si c'est trop difficile mais non, mais là... pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Donc on va assassiner non, Monsieur Ping. Ça va. C'est pas comme si vous venez tuer 5000 personnes en poursuivant le bateau. En les écrasant avec ma moto. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok. Je vais l'attendre là-bas. Ouais, cool, tennis. Youhou. Bon, bah écoutez, Monsieur Ping. Booyah. Bon, écoutez, on va donc devoir éliminer ce Monsieur Ping et afin d'accéder oui, à son identité. Oui, bonjour, Aiden, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. D'accord. Prenez soin de votre sœur, c'est très facile à dire, surtout lorsqu'elle a été enlevée. Donc, on va essayer d'abord de la retrouver, ce sera une très bonne chose. Nous mettons le maire Rochemort en garde. Ouch! T'as eu ton permis d'une boîte de Bonix ou quoi? Possible ça. Possible, une voiture si neuve. Le mec qui a osé. En même temps, qu'est-ce qu'il a à rouler dans le bon sens aussi? Tu vois pas que je roule à contresens? Franchement, plus aucun respect de nos jours sur les routes. Passer par là? Non! On aurait pu croire que. J'interdis de juger ma façon de conduire. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir c'est quoi la face maniabilité extrême de ce jeu. Vous savez. Comment ça, ce sont des excuses? Non, c'est pas des excuses. C'est vrai, c'est très difficile de conduire là-dedans. Non, mais à quoi ça sert? Crispin va me permettre d'accéder aux enchères. C'est ma seule chance d'approcher Irak. Ah oui, c'est pas Monsieur Ping que je vais tuer, c'est Crispin. Je suis bête. Alors, il est où? Ah, il est pas très loin, on dirait. Juste à la gauche. Regarde ça. Bip. Alors. Oh non, pas ça. Ok, je suis dedans. Tout va bien. Monsieur Quinn, tiens, est-ce que votre première jolie voiture. Fait un joli bruit, hein. Exotique et rapide. Monsieur Quinn ne savait pas quelle couleur vous plairait, alors vous choisissez. Cool, en plus il me ressemble un petit peu. Je pourrais mettre son chapeau et son manteau sans problème. Et donc repartir avec sa voiture mauve. Le planning ou quelque chose dans son téléphone. Je peux pas le laisser s'enfuir. Alors comment faire? C'est quoi ça? Oh putain! Vous sentez qui? Mais d'où tu sais que c'est moi? D'où tu sais que c'est moi, bordel? N'importe quoi, franchement, ce jeu. Faites le tour, on va le coincer, cet enculé. Non, y'a un problème d'IA. Grave, quoi. Un gros problème d'IA. Mec, y'a un mec qui balance la grenade à l'intérieur et tout le monde se retourne et me tire dessus. Non mais attendez, y'a un souci là. Alors, techniquement en fait, si je fais ça, si je fais cette technique là, ça devrait aller. Attention, vous êtes prêts?
notre boulot, putain. Merde. Hey, y'a quelqu'un? Bordel! Putain! Tu vas pas t'enfuir comme ça, mon pote! Putain, il est passé juste au-dessus de moi, quoi! Genre! Oh oh oh! C'était énorme! Mais c'est pas grave. Maintenant qu'il est en route, qu'il s'enfuit dans sa voiture, je pourrais l'avoir plus facilement, en fait. Il a rien compris. Bim! Accident! Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Ah là! T'es censé t'arrêter là, t'étais pas censé passer à travers. Oh mon dieu, j'ai pas assez de batterie pour mon téléphone. Saloperie. Ça suffit. Oh. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était magnifique. Pourquoi j'ai pas de batterie pour mon téléphone? C'est quoi ça? C'est un iPhone ou quoi? Ah, c'est parce que j'ai téléchargé le nouveau iOS. Oh fuck. Ah, mais comme vous... Mais poussez-vous, bordel. C'est pas possible. Ah, c'est bon. Bim! Oui! C'est bon. Ah, il va se faire tuer par ses propres hommes. Je trouve ça magnifique. Bonjour, je m'appelle Cerberus. Et toi? Bim! Aïe, 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 ça fait mal. Non! Faceplant sur la voiture. Bon, c'est pas grave. Attention, il y a 4 gars. Vous êtes prêts? Bon. Bon. Au, 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 au. Mais genre. Putain, c'était bien rentré en plus. C'est une bombe. C'est une putain de bombe. Bon bah écoutez. Oui, bon. Faites votre boulot, putain. Merde. Putain, je croyais que c'était safe ici. Bim. Direct. Mec, tu pouvais pas t'en sortir comme ça. Non. Wouhou. J'ai raté le téléphone. Vite, reprendre sa voiture. Oh mon dieu, il se passe des trucs là. Je suis pas là. Oh oh oh. Vous évitez pas de mettre Monsieur Quinn dans l'embarras pendant votre séjour à Chicago. On a un cadeau pour vous à l'infini de 92. Demandez le menu Poppy. On vous remettra votre invitation pour la vente aux enchères. D'accord. D'accord, ça marche pour moi. Pas de soucis. Je pense que... Apparemment, ce pervers de Crispin devait récupérer quelque chose dans le club Infinite 92. Il appelle ça le menu Poppy. Infinite 92. Pas de résultat officiel. Oh, on en parle dans quelques fils de discussion ici. Ah, donc c'est un club fétichiste pour messieurs. Ah. Clandestin, évidemment. Bah oui, forcément. Donc le menu Poppy, ce serait une femme? Ça collerait aux infos que Quinn avait sur Crispin. Je suis pas sûr que Poppy aurait survécu à la rencontre. C'est quoi exactement cette vente aux enchères? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Bon, je vais au club. L'invitation de Crispin est là-bas. Bien sûr. C'est ce qu'il va se dire. Bon, écoutez, les amis. Ah, attendez, c'est pas fini en fait. Si, c'est fini. Alors, écoutez, les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager avec vos amis sur Facebook ou Twitter, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Quant à vous, je vous retrouverai donc dans le prochain épisode. À bientôt, les amis.